Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors, si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Écoute Bernard reprend du service avec un nouvel épisode riche en conseils. Au menu de cet épisode, quatre entrepreneuses alignées avec leurs valeurs et profondément connectées à leurs envies et leurs besoins. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandra, fondatrice de la marque de cosmétiques Symbiose, Laurie et Alison, qui sont à la tête de Boca Local, et enfin Charlie, la créatrice de mon petit héros. Vous allez vite le découvrir, mais mes invités du jour ont des profils très différents. C'est ce qui fait la richesse de cet épisode. Au programme, nous allons parler de... Parvenir à rester aligné à ses valeurs, ne pas tout faire pour la notoriété, réussir à surmonter le fameux syndrome de l'imposteur, comment se lancer avec quel budget, en fonds propres, prêts bancaires ou campagne de crowdfunding, mais également de gérer la prise de risque et de s'associer en cours de route. Un épisode qui, je l'espère, vous plaira. Très bonne écoute à vous. Merci à toutes d'être là pour ce nouvel épisode du podcast Who Runs the World. Aujourd'hui, au menu de cet épisode, Aventure entrepreneuriale au féminin, ça va être passionnant. On va commencer par un tour de table afin que vous puissiez toutes vous présenter. Et ensuite, on débutera avec les premières questions. Eh ben moi, c'est Laurie, donc fondatrice de Boca Local. Boca Local, qui est un service de livraison de plats, maisons, locaux et de saison en boca consignés, euh, qu'on livre en ville au cargo, du coup, euh, à domicile et euh, chez les entreprises qui n'ont pas de cantine. Super. Bonjour, moi, c'est Alison, euh, associée de Laurie, donc dans la société euh, Boca Local. Euh, je suis arrivée dix mois après la création euh, du coup, de la société. Et. Euh, on fait tout, toutes les deux, donc de la livraison à la cuisine, passant par la compta et la com. <laughs> et voilà. Un programme bien chargé. Oui. <laughs> Bonjour, donc moi c'est Alexandra et je suis la fondatrice de Symbiozancy, qui est une marque de cosmétiques naturels bio, euh, fabriquée à partir de plantes des Alpes et rechargeable. Et bonjour, moi c'est Charlie, la fondatrice de Montpierro. Donc, c'est des valisettes qui étaient destinées, on en parlera tout à l'heure, sur les obstacles de la petite enfance et qui euh, aujourd'hui n'ont plus le même but, mais qui sont toujours destinées à la petite enfance. Super, un peu de teasing, on adore. <laughs> Alors, on, le premier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était celui des motivations pour lancer un projet. Je pense qu'il y a différents profils. Il y a des personnes qui rêvent d'entreprendre mais qui n'ont pas forcément un projet qui leur tient particulièrement à cœur et qui vont chercher peut-être le projet le plus pertinent avec leur période de vie, par opportunisme aussi sûrement dans certains cas. Et il y a d'autres projets qui s'imposent à nous, où on n'avait pas forcément la volonté d'entreprendre, mais c'est tellement fort. Et l'envie se manifeste au fur et à mesure que on se dit il faut y aller, il faut se lancer. Je voulais savoir pour vous comment est-ce que ça s'était passé. Euh, J'imagine qu'il va y avoir des, des réponses un peu euh, différentes. Donc euh, voilà, si la première qui veut se lancer. Je vais me lancer. Moi, ça c'est, euh, un peu les deux. Ça s'est un peu imposé à moi dans le sens où euh, ma fille aînée, ma première, j'ai deux enfants et quand ma fille aînée, elle est née avec une malformation vasculaire de la jambe droite. Et euh, j'ai dû créer pour elle euh, des petits outils pour l'accompagner dans tout son parcours de l'hospitalisation, euh, pour l'aider à ne pas avoir peur du noir si je pouvais pas dormir avec elle à l'hôpital, pour l'aider à euh, euh, ne pas avoir peur de l'abandon si je devais la laisser, enfin, composer un petit peu pour ne pas qu'elle appréhende les médecins. Et voilà, ça m'est venu comme ça et j'ai créé des outils. Puis j'étais tout moi dans mon parcours de, bah, de salarié avant qu'elle naisse, j'étais euh, responsable événementielle et j'ai dû m'arrêter euh, parce que je ne pouvais plus travailler à cause de sa malformation. Et j'ai repris après euh, des petits euh, boulots, euh, mais vraiment de la maison. Hein, j'ai fait, euh, fait pas mal de choses, je me suis lancée dans la naturopathie, enfin, je ne savais pas trop où j'avais envie d'aller. Et en fait, ça m'est venu comme une évidence euh, de créer en fait, ces outils-là, pas que pour moi, mais pour le plus grand nombre. Et ça s'est un petit peu bah, imposé à moi. Après, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui reste jamais cantonné à la même activité, même dans le milieu quand j'étais salariée. Donc ça, ça faisait foi, ça, ça prenait tout son sens. Parce que euh, tu te voyais pas revenir à une activité euh, salariée, c'était tout bonnement impossible, ou tu avais pas envie de retourner euh... bah En fait, j'avais plus envie vie. parce que euh, ce projet, c'était finalement c'était un projet de vie. Euh, ça c'est vraiment, euh, c'est un soir euh, pour vous faire vraiment la scène. Je suis sur le canapé avec mon mari et je sors plein de feuilles. Donc lui me regarde un petit peu avec des yeux. Euh, mais qu'est-ce qu'elle fout Elle sort ses stylos, ses feuilles. Je me mets par terre et je commence à écrire, écrire, écrire. Et je lui dis, j'ai une idée. Et il me dit, bah vas-y, dis-moi. Et là je lui dis, et si je créais des valisettes pour aider les enfants à surmonter les obstacles de la petite enfance il me regarde, il me dit, ça t'est venu comme ça. Je dis ouais. Ça M'est venu comme ça, et depuis, bah voilà, j'ai enchaîné les formations euh, à War on the World. Je les ai toutes faites business model <laughs> prévisionnel. Voilà, j'ai crowdfunding. J'ai tout fait, et, euh, et donc voilà. Et je me suis un petit peu lancée dans l'aventure euh, en étant bas en ayant les aides par rapport à ma fille euh, qui était considérée comme ayant un handicap. Et, euh, et puis après, bah je vous laisse encore teaser sur euh, mon parcours d'apprentissage. <laughs> On y reviendra euh, juste pour que les auditeurs et les auditrices situent ce dont tu parles. Là, c'était en quelle année euh, C'était en 2021. Okay. Voilà, c'était en 2021. Ma fille, par contre, est née elle en 2019. Donc, euh, avant, j'étais responsable événementiel dans les milieux sportifs et après, pour euh, en Suisse, pour euh, des chocolateries. Voilà pour des chefs chocolatiers et, euh, et donc après bah voilà ça m'a c'est en 2021 où c'était vraiment bah, d'ailleurs pendant la période Covid que ça m'est venu forcément plus de temps euh, tous en arrêt de travail où je me suis dit bah plus de créativité on a envie de donner un sens un peu plus important à sa vie et bah voilà c'est venu euh, comme ça est-ce que ça résonne auprès euh, d'entre vous cette histoire moi, il y a des choses qui résonnent et puis des choses qui sont passées bien différentes. Euh, ce qui résonne, c'est l'histoire que tout part de l'enfant finalement. J'ai eu un petit peu aussi le même, le, le, malheureusement, les mêmes sujets que Charlie, euh, avec ma fille aussi qui a été, voilà, qui a dû être hospitalisée avec des choses assez graves quand elle était petite. Et c'est vrai que ça remet un petit peu les, les choses en place et en perspective. Et je pense qu'on réfléchit finalement au sens qu'on a un petit peu envie de donner à sa vie. Euh, moi, j'avais en plus déjà, ça faisait un moment que je travaillais plus euh, à l'époque. Euh, voilà ça devait faire une quinzaine d'années donc on arrive aussi un petit peu au bout d'un cycle et moi c'est plutôt quelque chose qui est venu assez doucement finalement qui a pris du temps de maturer je me voilà je voyais bien que je me je me retrouvais plus forcément dans ce que je faisais dans le salariat et voilà petit à petit j'ai commencé à réfléchir en me disant bon qu'est-ce que tu fais la situation pro te convient pas tu vas voir ailleurs finalement je sentais bien que j'allais retrouver un peu les mêmes problématiques. Alors ok, tu as toujours l'effet un peu nouveauté au début qui fait que pendant 2-3 ans, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé dans ma boîte, ils m'ont proposé un autre job, donc pendant 2-3 ans, voilà, ça m'a calmé. <laughs> Et puis après finalement tu te reheurtes aux mêmes, aux mêmes problématiques. Je pense à toi qui change par rapport à tes attentes pro, à l'entreprise dans laquelle tu travailles qui change. Et du coup voilà, ça a germé tout doucement finalement dans ma tête l'idée de passer à l'entrepreneuriat en me disant bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même et après bah, il a fallu trouver l'idée. Donc là moi j'avais pas voilà, je suis pas arrivée comme toi en me disant oui, ça y est, j'ai trouvé, je sais ce que je vais faire, c'était plutôt dans l'autre sens finalement en me disant la solution je pense qui convient euh, à mes aspirations, c'est d'être euh, voilà, de créer une entreprise par contre maintenant qu'est-ce que je crée Et du coup à l'époque je m'étais fait accompagner aussi pour arriver un petit peu à faire émerger des idées par rapport euh, à tes valeurs de vie, parce que moi voilà, je voulais vraiment quelque chose qui soit porteur de sens, c'était vraiment mon moteur. Et il y avait tout cet aspect, justement santé, euh, avoir des produits qui prennent soin des gens, qui euh, ben bah voilà, qui nous créent pas des maladies. Le lien avec aussi l'environnement, parce qu'on sait que le, la connexion avec l'environnement et notre propre santé, elle est forte. Et finalement, j'ai mis un petit peu tous ces euh, tous ces sujets là, et j'ai essayé de tirer un peu les ficelles pour voir jusqu'où ça me menait. Et voilà, quelques mois après, bah c'est comme ça que le. Le sujet a pris a pris forme avec une empreinte locale très forte quand même. Oui, alors pareil, ça c'est pas forcément venu au départ. Si, si je refais le film, hein, je me souviens qu'au départ l'idée c'était plutôt de travailler sur du vrac parce que je me disais bah dans le dans l'hygiène il y a du vrac, mais dans la cosmétique il y en a pas. J'ai vite compris pourquoi il y en avait quasiment pas parce qu'il y a quand même une ou deux marques qui le font. Et du coup voilà, je suis repartie sur des choses un peu plus euh, on va dire accessible aussi pour pouvoir se lancer euh, tout de suite parce que là j'étais toute seule. Après as l'aspect financier aussi, donc tu revois aussi ton projet en fonction de tous ces critères-là. Et, euh, et à un moment je me suis dit bah voilà c'est quoi aussi les valeurs que j'aime. Moi j'aime ma région, j'ai envie de la mettre en avant. Donc l'idée locale elle est apparue euh, de cette façon-là, oui. Génial. Et alors pour toi Laurie euh, Moi ça va être, je pense un petit peu différent. Euh, c'est vraiment parti plutôt d'une envie. Euh... De concrétiser un rêve, en tout cas une passion pour la cuisine que j'ai depuis toute petite. Et puis mes études se sont aussi un peu déroulées dans ce sens-là. En fait, j'ai fait une école d'ingénieur en agroalimentaire, agriculture et environnement. Du coup, j'ai fait 12 années de marketing en entreprise, en grosse entreprise agroalimentaire. Donc il y a toujours ce fil conducteur de l'alimentation. Et. Voilà, il y a une, depuis quelques années, on va dire, euh, j'avais cette envie d'ouvrir un restaurant. <laughs> Donc, euh, c'est plutôt un déménagement qui a déclenché euh, le, le processus, on va dire, d'entrepreneuriat. On a déménagé, euh, du coup, en 2018 dans la région. Euh, donc du coup j'ai dû démissionner de mon ancien euh, poste euh, sur Paris et je me suis dit bah c'est le moment ou jamais quoi si j'ai vraiment envie de créer euh, quelque chose c'est maintenant parce que du coup euh, j'ai voilà soit je me remets à chercher du travail euh, en marketing soit je, je crée mon entreprise euh, du coup pour euh, voilà je me suis dit euh, n'aie pas de regrets vas-y à fond essaye et puis tu verras ce que ça donnera <laughs> On va dire ça comme ça. Euh, donc du coup en fait, ne venant pas du tout de la restauration, je me suis dit bah, peut-être falloir que tu ailles travailler dans un restaurant pour voir ce que ça donne quand même, si ça te plaît. Et puis euh, donc j'ai travaillé six mois dans un restaurant bio, zéro déchet et local à Annecy. Du coup. Chez Granny Smith ou Chez, euh, Du coup la piscine Voilà. Euh, puisque ça correspondait vraiment déjà de une à mes valeurs, euh, à mes valeurs euh, de base, à comment moi je, je cuisine et euh, je vais vivre au quotidien. Euh, donc ça s'est bien passé. Après, je me suis dit, ça va être compliqué un restaurant quand même, que ce soit en termes d'investissement, de temps euh, passé. J'ai quand même deux enfants en bas âge, donc euh, je me suis dit, on va peut-être trouver une autre formule. Je pensais plutôt au, du coup au food truck où c'est un peu plus de flexibilité, etc. Euh, donc j'ai travaillé euh, pareil pour quelqu'un qui avait un food truck pendant quatre mois. Euh, finalement, avec le Covid, la formule food truck s'est un peu transformée en traiteur, on va dire <laughs> traiteur pour mariage. <laughs> Mais c'était bien, voilà, ça m'a permis de vraiment couvrir tous les tous les aspects, on va dire, de de la cuisine. Euh, et j'avoue qu'à la fin de ça, j'étais un peu perdue. <laughs> je ne savais plus trop où aller. Trop de possibilités. Et euh, là, euh, <laughs> où je me disais oh, bon non. Euh, euh, c'est pas grave vas-y laisse ton retourne tourner dans le marketing parce que voilà en soi c'était un boulot qui me plaisait et je veux dire c'est plus le l'univers de la grosse entreprise du gros groupe qui me plaisait un peu moins et du coup we run the world est passé par là en tout cas voilà sont arrivés au bon moment et du coup j'ai pareil j'ai fait toutes mes formations du coup une bonne partie de mes formations avec we run the world euh, notamment, je concrétise mon projet qui m'a beaucoup aidé à retrouver un peu mes valeurs profondes, euh, ce qui m'animait au quotidien, etc. Et on est sorti du coup ce concept de livraison de plats en bocaux, euh, livrés à vélo, parce que ça me, voilà, ça me correspondait vraiment bien de A à Z. Euh, J'adore la cuisine, mais je ne m'y vois pas toute la journée non plus, euh, ou en tout cas pas par, <laughs> par grosse période, ça peut aller, mais du coup, on a cette liberté cette flexibilité de sortir le midi de prendre l'air j'aime beaucoup le sport aussi donc ça' vraiment ça correspondait à tout, à tout ça et, et ben après on a du coup fait le crash test et puis j'ai lancé ça du coup en avril 2020 donc quelques années euh, après euh, la naissance de l'idée finalement. C'est ça, oui exactement, il m'a fallu ouais, quand même trois, ouais, ouais, trois ans. tu as eu le temps de porter le projet à maturation aussi, d'expérimenter. De, Je pense que c'est un bon conseil qu'on peut donner aux auditrices et aux auditeurs, c'est effectivement d'aller travailler dans les secteurs qui leur plaisent pendant même ne serait-ce que quelques mois pour euh, voir, toi finalement, tu t'es dit, bon, bah, la restauration, ça me plaît, mais ça et ça, ça me déplaît. Voilà. Donc, c'est vrai que ça, c'est un bon conseil, je pense, parce que quand on veut se lancer, il y a effectivement la partie investissement en temps, mais aussi investissement financier, qui n'est pas à négliger. Et justement, sur cette partie-là, comment est-ce que vous, vous vous êtes lancé Donc, au moment où vous vous dites, OK, je vais lancer le projet, donc Laurie, toi, tu défini, Charlie pareil, vous êtes prête à vous lancer Et là. Quelles sont les prochaines étapes Est-ce que tout de suite vous avez envisagé une euh, campagne de crowdfunding, par exemple Est-ce que vous vous êtes dit non, j'y vais euh, en fonds propres et on verra Est-ce que ça s'est fait finalement un peu au feeling comment, comment vous avez fait Est-ce que c'est des compétences que vous aviez ou pas A priori, personne n'avait un parcours de, de financière ou, ou de compta. Euh, comment ça s'est passé Tout à fait. Alors, moi, je l'ai évoqué parce que, pareil que Lori, j'ai fait le crash test euh, qui a très, très bien fonctionné. Oui, bien sûr, en fait, on a il euh, y a dix euh, entrepreneuses euh, qui ne sont pas du tout dans le domaine euh dont on entreprend, mais par contre qui ont été choisis quand même avec une sensibilité, qui ont soit des enfants, voilà, on ne va pas choisir n'importe qui parce qu'il faut que ce soit quand même un petit peu la cible du projet. Et euh, tout au long de, donc nous on présente le projet, donc on va présenter euh, notre pourquoi, euh, ce pourquoi on s'est lancé, qu'est-ce que le projet, à quoi il est voué, enfin vraiment le, comme si qu'on faisait un dossier de presse finalement pour présenter le projet. Et puis il y a ces dix personnes là qui sont là et qui vont échanger avec nous dans le bon sens, mais ce n'est pas vraiment du mauvais sens, euh, mais ou, ou en nous disant bah, « là, euh, je trouve pas ça judicieux, euh, je trouverais ça plus pertinent, bah, que tu y ça ». Et en fait, on, on co-crée ensemble finalement le, le, le produit final. Ça nous aide vraiment, mais on, a, on ressort quand même avec dix personnes qui nous disent « ok, on valide, on appuie, on trouve ça top, euh, lance-toi ». Voilà euh, et à l'inverse, je suis sûre qu'il y a des crash tests où on leur a dit bah euh, non ça ça fonctionnera pas, on ne pense pas que ce soit une peut-être une super idée ou alors euh, le modèle économique euh, voilà est trop ambitieux ou pas assez. Fin voilà. Moi en tout cas ça s'est très bien passé. Donc après je me suis dit effectivement euh, je ne travaille pas, j'ai plus d'aide, euh, <laughs> il me faut de l'argent. <laughs> voilà voilà euh, on venait d'être propriétaire avec mon mari du coup en endettement bah, on, on était un petit peu disons border euh, donc je me suis dit oh bah ou the world propose la formation crowdfunding. Donc je me remets dans la formation euh, de crowdfunding, euh, vive le CPF quand même. Hein. Euh, et donc euh, je, je fais cette formation. Euh, il s'avère qu'en plus la formation, elle a été... Euh, euh, elle a été, bah c'est Sabrina qui nous l'a fait, mais elle a eu pas mal de, de conseils de Justine Hutto qui a fait Respire, qui est une nana que j'admire euh, profondément, euh, qui a fait, qui veut être mon associé, une émission que je vous recommande, mais plus, plus, plus si vous êtes entrepreneur, et euh, que j'ai rencontré d'ailleurs en Grèce aussi, pour la petite anecdote, enfin vraiment, qui est une nana super. Et donc je me suis dit, bon, bah, cette formation est faite pour moi. Je fais la formation crowdfunding, je me lance euh, dans la préparation de cette campagne. Et en fait, je me rends compte que euh, manque d'argent, faut que je retourne dans le salariat. Ok. Voilà. Donc, j'ai pas pu aller au bout de la campagne. J'ai teasé sur Insta que ma campagne allait se faire. Et en fait. Euh il y a eu trop de choses avec le Covid. Euh, mon mari qui avait réduit un peu son temps pour me soulager aussi. Enfin, il y a pas mal de choses qui, qui sont arrivées qui ont fait que bah j'ai pas pu aller au bout parce que ça me prenait énormément de temps euh, de lancer cette campagne et en même temps bah fallait manger. On a deux enfants, euh, fallait payer les crédits. Enfin, la vie quoi. Donc j'ai pas pu aller au bout de cette campagne de crowdfunding. Très intéressant et. Comment euh, le retour au salariat J'imagine que tu avais toujours envie de, de mener à bien ton projet. Donc, c'était aussi pour pouvoir mener ce projet qu'il fallait que, que tu retournes au salariat pendant une période plus ou moins longue. C'est ça, complètement. Donc, en fait, pour la petite histoire, je suis encore en salariat. Je reprends activement. Euh, mon petit héros cette année, mais parce que j'ai eu six mois de formation dans mon nouveau boulot, parce qu'il faut savoir que moi je viens du milieu de l'événementiel, que ce n'était pas possible, parce que mon mari est déjà dans l'événementiel, donc à deux, avec deux enfants dans l'événementiel, ce n'est juste pas possible. Et donc j'ai refait une formation pendant six mois dans le milieu bancaire. Aujourd'hui je suis conseillère financière, euh, donc vraiment un domaine à l'opposé de ce que j'ai toujours fait, et euh, ça fait un an que je suis salariée en tant que euh, conseillère financière. Donc voilà, donc euh, ça m'a permis de retrouver une stabilité, euh, de souffler, euh, de plus avoir la boule au ventre euh, quand je me levais le matin et quand je me couchais le soir, de plus être en pleurs, de me dire euh, ok, enfin euh, comment on va faire pour les fins de mois, bien que euh, même si mon mari travaillait, ben, je toujours été indépendante et je voulais rien avoir à demander à mon mari, mmh. donc. Euh, ça va un temps euh, qui te paye euh, tes petits trucs à toi, mais euh, c'est pas, en tout cas, c'est pas ce qui m'anime, ce n'est pas, pas mes valeurs. Et donc euh, là, je me suis dit, ok, c'est bon, la stabilité est revenue, euh, tu vas en chier parce que tu n'as pas de temps, tu as deux enfants, mais euh, on reprend activement l'entrepreneuriat le, euh, comme il se doit. quoi. C'est très intéressant parce que, effectivement, l'entrepreneuriat, on a tendance à le présenter sous euh, les jolies facettes de l'entrepreneuriat, l'indépendance, la liberté de pouvoir aller euh, déjeuner avec ses copines un vendredi midi et prolonger par une baignade au lac si on en a envie. Euh, il y a plein de très, très bons aspects. Euh, on gère notre temps, on est indépendant, etc. On peut travailler de partout selon, selon notre boulot. Pour autant, il y a aussi des vraies contraintes. Euh, la contrainte financière en est une. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ta vision de dire, bah là, Finalement, il fallait que je stoppe, pas que je stoppe, mais que je mette en pause ce projet pour moi, mon bien-être, ma santé euh, mentale, celle de ma famille, et ensuite euh, réenchaîner et juste savoir reculer plutôt que de finalement que de se perdre dans un projet. Sabrina en parle très bien, mais euh, voilà, des fois, si on va trop loin, une liquidation judiciaire, on continue de payer toute sa vie, donc il euh, y a quand même, c'est pas à prendre à la légère non plus. Et je trouve ça euh, très intéressant. Vous, les filles, comment ça s'est passé au moment du lancement? Euh, alors, ce n'est pas que l'aspect financier, c'est vraiment déjà comment est-ce qu'on se lance, avec quelle vision, est-ce que vous vouliez que ce soit un à côté, est-ce que vous vouliez que ce soit votre job à plein temps, embauché ou pas, il y a différentes volontés. Laurie, je ne sais pas quand tu t'es lancée, si tu avais prévu tout de suite d'embaucher, de t'associer, euh, etc. Non, alors, je n'avais pas prévu de. En tout cas, je me dis, bah, ça pourra arriver si l'entreprise fonctionne bien euh, d'embaucher, mais je savais déjà que j'allais avoir du mal à travailler toute seule euh, sur le long terme. Voilà, parce que j'ai besoin un peu de cette euh, émulation, cette énergie euh, au quotidien euh, pour euh, bah, <coughs> créer et puis euh, Donc, avancer. L'aspect humain ne te faisait pas du... peur là, dans Non, l'aspect humain, euh, pas plus que ça. Mais alors le L'embauche, par contre, on va dire d'avoir des salariés un peu, c'était déjà pas trop mon truc à la base. Je savais que c'était <laughs> voilà, c'est pas que ça me dérange en soi, mais non, je pour des raisons, bah, on le verra après euh, quand on passera à deux. Mais euh... et du coup, moi, comment je me suis lancé, mais j'avais besoin aussi de cette partie de création seule. Euh... Voilà, parce que un peu comme un petit bébé qu'on crée euh, nous-mêmes et euh, on le crée de A à Z avec la vision qu'on a. Euh... Des choses, etc. Donc, euh, cette étape était importante pour moi, en tout cas, de l'avoir créée seule. Et je me suis lancée bah, euh, par rapport à l'aspect financier, justement, euh, en fonds propres. Euh, parce que, comme tu le disais, voilà, avec mon conjoint, on est très dépendant. Je ne veux pas lui euh, vouloir quelque chose, ou en tout cas, je ne veux pas que, du coup, mon projet ait un impact sur notre vie de famille, en tout cas. Et donc. Euh, en fait, l'investissement était assez limité puisque c'était le vélo cargo, du coup. Voilà, donc euh, ça, j'ai réussi à le financer par moi-même. Euh, puis après, je me suis dit, bah, on verra s'il y a besoin d'aller investir euh, plus de choses, mais commençons euh, sagement. <laughs> de ce point de vue-là, je sais que c'était assez facile de, de monter. C'était facile, mais... parce que tu es d'abord allé démarcher les entreprises, etc., pour, euh, pour faire connaître ton offre non, ça s'est fait vraiment petit à petit. Euh, ouais. les entre... Alors, à la base, c'était pour les entreprises qui n'avaient pas de cantine. Mais c'est vrai qu'on... S... On... Alors, moi, je suis un peu arrivée avec ma vision de Paris, où le midi, on mange tout le temps dehors, <laughs> tous les jours. Et du coup, ici, c'était un petit peu justement le revers. Me... En fait, les gens rentrent beaucoup chez eux, euh, apportent beaucoup leur repas sur leur lieu de travail. Du coup, c'est vrai que... Voilà, il y a eu ce petit décalage entre euh, les attentes et euh, du coup, ce que je pouvais apporter. Et du coup, ce pourquoi, au bout d'une année, on va dire, on a aussi diversifié nos offres, euh, qui n'est plus aujourd'hui que de la livraison de bocaux, mais on faisait aussi des prestations de traiteurs et des pâtisseries maison pour euh, des cafés et des restaurants. Euh, mais ça, voilà, cette partie, euh, on va dire, livraison de bocaux aussi, une, une c'est bah, la base de l'entreprise, c'est un peu l'ADN de l'entreprise où... Euh, euh, ça repose sur voilà, des valeurs humaines, éco-responsables, locales, etc. Euh, c'était vraiment ce qui, en tout cas, euh, était la jeunesse du projet. C'était de se rendre compte un peu de tout ce qui nous entoure, parce que quand on mange un plat, on sait pas d'où chaque ingrédient vient, etc. Et nous, c'était vraiment cette transparence qu'on voulait apporter, euh, rien qu'avec le, le, le bocal. On sait chaque ingrédient, comment il est composé. Et puis, à nous de voilà communiquer sur d'où ils viennent, etc. Mais. Euh... Et alors, quand on arrive dans un projet qui a déjà été porté par une femme aussi motivée et déterminée que Laurie, comment est-ce que on, on prend sa place Comment c'est pas c'est commun Ça doit pas être évident. Comment ça s'est fait bah. Ça a été puisque avant, je ne connaissais pas Laurie, donc je ne savais pas qu'elle était aussi motivée que ça. <laughs> tu as été berné, en fait. <laughs> Complètement. Euh, et ça s'est bien passé parce que ça s'est fait naturellement, en fait, hyper naturellement. Oui, Le je premier contact, j'ai commandé, en fait, tout simplement. En fait, je je, c'est un truc qui m'embête, c'est que j'arrive pas à me rappeler comment je suis tombée sur Bocal Local sur Instagram ou sur Internet, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vu et j'ai dit waouh, c'est génial ce projet, j'adore. C'est. Trop trop bien et j'ai adhéré direct et, euh, et là je me suis dit on va tester je vais commander et du coup elle est venue me livrer et puis euh, après je lui ai réécrit en lui disant c'était top etc euh, et en fait moi j'étais je travaillais dans un restaurant au bord du lac Clément et je venais j'avais le projet de venir euh, m'installer avec mon conjoint euh, au bout du lac d'Annecy et, euh, et là je me suis dit ben je voulais euh, moi aussi exercer ma passion donc la cuisine j'avais envie d'être à mon compte, j'en avais un petit peu marre du salariat, j'avais vraiment ce besoin de travailler pour moi. De, de... Et puis je savais que c'est quelque chose qui allait motiver, me motiver, me donner beaucoup d'énergie. Et, et pareil, en fait, j'ai vraiment à cœur le, le produit. Euh, j'ai toujours été passionnée de cuisine, donc en fait, il fallait que je trouve quelque chose où je pouvais lier tout ça. Euh, je trouvais ça hyper important de... de de permettre aux gens de bien se nourrir. Enfin, pour moi, c'est très très important et j'ai envie de donner euh, cet accès-là euh, au plus grand nombre. Et euh, quand j'ai vu le projet de Laurie, bah pareil, j'adore faire du sport, j'adore être dehors. Euh, j'ai dit mais c'est trop trop bien. Et, euh, et donc j'ai contacté deux personnes, Amatreateur euh, à, à Annecy <laughs> et Laurie. J'y suis allé un peu au culot en disant euh, allô, vous en êtes où dans votre entreprise, vous aurez besoin de quelqu'un tout à ça. <laughs> Moi, n'importe, associé salarié. Déjà, au début, je voulais trouver un job parce que je ne voulais pas rester sans rien faire. Et euh, parce que je me suis dit, c'est un premier pas dedans. Et puis, on verra en fait ce que, ce que ça va donner. Je marche beaucoup à l'instinct et, et, et pas trop sur le long terme en général. Euh, donc là, sur le moment, j'avais envie de participer à un nouveau projet et euh, découvrir des nouvelles facettes aussi du, de ce métier. Et euh, du coup, bah, Laurie m'a dit, bah, pour l'instant, euh, sincèrement, je ne peux pas prendre de salarié on peut se rencontrer déjà et on verra ce que ça donne. Puis on s'est rencontré, on a discuté, le feeling est bien passé. Quelque temps après, elle s'est cassé le pied, je lui ai proposé mon aide pour les livraisons. Du coup, on a passé un peu une semaine comme ça, on a vu que le feeling passait encore mieux et on a beaucoup discuté et puis, et puis finalement, il y a eu un projet dans la commune euh, pour reprendre un, on va dire une guinguette sur la piste d'atterrissage de Doussard. On avait une <laughs> semaine parce qu'il y avait une, il y a une date pour rendre en fait et un appel ouais c'est un appel d'offres. et puis euh, du coup on a préparé le dossier sans vraiment se connaître et, et sans avoir travaillé vraiment euh, réellement ensemble et on a vu que bah, on arrivait à travailler ensemble que nos idées ça ah matchait ouais, euh, et du coup, bah, après on a continué. <laughs> Est-ce que vous avez remporté l'appel d'offres Non. Mais tant mieux. En ouais. fait, finalement, on est très contente. Et du coup, bah, c'est là que Laurie m'a dit, mais si tu veux, peut-être qu'on pourrait plutôt s'associer. Je lui ai dit, mais tu veux partager ton bébé <laughs> Elle me dit, oui, oui, ben non, mais ça va, euh, j'ai l'impression que ça va, mais euh, ça, te, ça te va le logo, ça te ah. va le nom, tu aurais envie de changer quelque chose. J'ai trouvé ça incroyable qu'elle m'ait proposé ça. Je me dis, ça fait un an qu'elle l'a créé, elle qui a tout créé, et elle, et elle est pour moi, elle me demande peut-être de. Alors peut-être que tu m'as dit ça par politesse, c'est que si je t'avais dit, on change le nom, tu m'aurais dit, ça va pas, ah, non, jamais de la vie. J'en sais rien, mais en tout cas, elle l'a fait, j'ai trouvé ça. Je me suis dit que j'étais face à quelqu'un de, de ouvert et de respectueux et je me suis dit qu'on allait pouvoir se retrouver sur la même longueur d'onde. Mmh. Alexandra, est-ce que tu veux rebondir sur euh, le lancement Oui, plus peut-être <laughs> euh, plus sur peut l'aspect financier. C'était le sens de ta question au départ, je crois. Euh, alors moi, j'avais un projet qui était assez coûteux en investissement parce que développer de la cosmétique, ça coûte cher parce qu'il y a du développement. Moi, je suis pas, je suis pas formulatrice, donc il fallait forcément que j'ai un partenaire. Et ces gens-là, bah, il, voilà, il faut les rémunérer. Après, il y a beaucoup de tests à faire sur les produits. Donc je savais qu'il y avait un budget déjà euh, assez important. Euh, et j'ai passé du coup pas mal de temps avant d'acter, que je me lançais et que je quittais aussi ma situation euh, pro qui était plutôt, euh, on va dire, confortable hein, d'un point de vue financier. Donc voilà, j'ai passé pas mal de temps à vraiment euh, monter l'aspect financier, business plan pour vraiment me rendre compte des, des fonds dont j'allais avoir besoin. Avant de dire bon, bah ok, c'est bon, j'appuie sur le bouton et j'y vais. Et du coup, j'ai quitté mon job qu'à ce moment-là. Moi, j'ai euh, fait ce qu'on appelle, euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais non, mais je crois que c'est euh, transi Transition Pro qui fait ça. En fait, quand tu démissionnes pour créer ton entreprise, tu as le droit, du coup, au chômage, comme si tu avais été licencié. Donc, ça, c'est plutôt cool. Parce que du coup, tu as deux ans où tu sais que tu as pas trop à te poser de questions, même si deux ans, ça passe super vite. Mais en tout cas, voilà, tu as deux ans où tu sais que tu as déjà ce sujet-là de dire ta vie perso. Euh, le côté financier de ta vie perso, il est assuré. C'est si... une chance inouïe ouais, hein, qu'on a en France. Juste incroyable, je pense qu'on ne se rend pas compte en ouais. effet. On râle sur beaucoup de choses, mais quand tu peux accéder à ça, alors voilà, il faut présenter un dossier, il faut que tu montres aussi que, ton... que tu vas pas aller à la plage pendant deux ans hein, que... et que c'est un réel projet. Et régulièrement, on te demande quand même un petit peu où tu ouais. en es, mais pas tant que ça finalement, je suis assez surprise. Hein. Moi, je suis plutôt quelqu'un voilà de prudent, donc j'ai vraiment assuré cette partie-là en me disant bon, bah, est-ce que le projet financièrement. Déjà, Combien il faut pour lancer le projet de façon, euh, de façon correcte, on va dire, parce que ben bah, voilà, même derrière, quand tu as une super idée, même si elle n'est pas super, mais voilà, il faut aussi euh, du temps avant que ça se mette en place. Donc, il faut que tu sois sûr que pendant ce temps-là, tu es capable aussi, toi, de continuer à fonctionner. Que ton entreprise elle est capable de, de couvrir les frais que tu vas avoir. La création voilà. de, de soins cosmétiques, c'est vraiment euh, un domaine où tu as plein d'acteurs qui entrent en jeu. Tu vas avoir le pack, il y a plein de concurrents, et puis après toi, tu vas avoir le pack à acheter, les formules à créer, les ingrédients, mmh. les matières premières. Enfin, c'est très complexe. Donc, ouais. Puis l'argent il sort très vite en ouais. fait pendant très longtemps. Et à la fois tu dis bon, maintenant il faudrait peut-être en rentrer un petit peu, voilà. Donc moi j'ai fait euh, fonds propre, une partie fonds propre, prêt bancaire, et j'ai fait aussi euh, un crowdfunding euh, qui euh, amène, on va dire amène un plus. En fait, le crowdfunding faut vraiment le voir. Euh, m'avait plutôt dit de le voir comme un plus et te dire ton projet il peut fonctionner sans et c'est vrai que ça te permet d'être plus à l'aise et en termes de com et de visibilité bah voilà c'est forcément ça crée une espèce de d'émulation sur un court terme en fait et ça fait un peu le buzz autour de ton, de ton sujet donc voilà c'est les, les trois leviers que j'ai activés pour bah pour lancer le projet ouais. et ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu as investi le premier euro on va dire et le moment où tu as eu les produits entre les mains et que tu as pu vendre ton premier produit euh, plus d'un an et demi je pense et, de, et en plus de toute façon hein, quand, tu, quand tu démarres comme ça euh, les gens ils te connaissent pas, ils savent pas alors s'ils décident de travailler avec toi c'est qu'ils imaginent que quand même ça va plutôt marcher et que le projet leur parle mais par contre tu payes tout le monde tout de suite <laughs> et toi voilà après tu dois attendre que l'argent rentre donc ouais y a, as quand même euh, c'est vrai qu'il y a une période qui est un peu euh, où tu dis waouh j'arrête pas de sortir de l'argent j'espère que je me suis pas plantée et qu'à un moment l'argent il va rentrer quoi <laughs> c'est vrai qu y a, mais c'est bien de le dire et ouais, il y a une de période de là de qui de est un peu angoissante, entre guillemets. Ouais, voilà, ouais. c'est ça. Même si tu sais, tu te dis Bon, allez, j'ai calculé mes trucs, c'est bon. Ouais. Mais voilà, il ouais, faut, faut, faut être super carré, en fait, à ce moment-là, je pense, par rapport à, à toutes les simus que tu as fait financièrement, parce que tu peux aussi vite. Mm -hmm. euh, bah forcément, hein, ça se passe jamais comme tu as prévu. Donc voilà, les packs, euh, bah, entre-temps, avec tout ce qui s'est passé, moi j'ai des packs en verre. Donc je vous laisse imaginer l'augmentation sur les, mmh. les produits en verre. Euh, les quantités bah, par rapport aux fournisseurs que tu as réussi à trouver, euh, tu es obligé d'en acheter plus que ce que tu as prévu. Donc c'est vrai qu'il y a toujours. Euh, voilà, il faut prévoir un peu aussi large, je pense, parce que okay. des aléas, il y en a. Et il y a des moments où il faut se dire, bah non, ça, je ne peux pas me l'offrir, entre guillemets. Mais, euh, mais c'est bien d'avoir accès aux coulisses aussi. J'espère que les auditeurs et les auditrices apprécieront. Mais c'est, voilà, pour sortir de ce côté très polissé euh, d'Instagram et de, waouh, wow, génial, tout le monde est entrepreneur, tout le monde a réussi à se lancer. Il y a derrière euh, beaucoup de travail, évidemment, ça va de soi, et euh, beaucoup de prise de risque aussi. Euh, Charlie, toi, tu disais tout à l'heure que tu as opéré un, un retournement, un virement de, dans ton business plan, dans ton business model, que tu avais un peu réorienté ton projet. Pourquoi est-ce que ça a été suite à euh, un constat que tu as fait Pourquoi t'en es venu à, à transformer et à faire évoluer ton projet eh ben, Par rapport à mon pourquoi. <laughs> voilà. En fait, mon pourquoi de cette valisette, ça a été ma fille et ce que j'ai mis en place pour elle et quand j'ai voulu créer mon petit héros après j'ai pensé au plus grand nombre et j'ai pas pensé à mon pourquoi je me suis dit je veux que ça plaise au plus grand nombre et du coup j'ai recensé les obstacles de la petite enfance en me disant c'est large et voilà je touche une grande cible euh, je me suis remise dans le salariat et là récemment, je, je, je suis aidée par euh, une amie et qui a créé aussi sa, sa propre entreprise, qui est entrepreneuse et qui aide les femmes entre, entrepreneuses à mettre en lumière leurs projets. On refait un petit peu ma cible, ce que j'avais fait bah, avec Sabrina euh, euh, lors de, de, de toutes les formations. Et donc elle me, elle me pose la question, elle me dit donc, euh, ok, quel est ton pourquoi donc je lui dis ma fille et puis elle me dit donc quel est ton pourquoi et elle me répète euh, la question je lui dis bah voilà ma fille et tout ça et puis en fait ça travaille ça fait foi et puis je me dis mais en fait euh, le projet il est là depuis le début et euh, j'ai voulu encore une fois plaire au plus grand nombre me dire que je voulais toucher le plus grand nombre en oubliant en fait l'essence même de mon projet et ce pourquoi je l'ai créé et donc euh, la valisette n'est plus pour les obstacles de la petite enfance, mais ça va être la valisette pour euh, accompagner, aider les parents et les enfants euh, qui sont hospitalisés. Donc, les enfants hospitalisés. Donc, vraiment, il y aura un accompagnement avant. Donc, pour tout ce qui est bah, les parents, ne pas se sentir seuls, euh, dire qu'il y a vraiment une communauté derrière et qu'on va pouvoir échanger. Donc, j'aimerais tellement créer cette communauté, mon petit héros. Euh, En plus, le nom fait tellement foi euh, de, de le fait que ce soit des sûr. petits héros euh, euh, lorsqu'ils sont en phase d'hospitalisation. Euh, comment aborder le sujet avec ton enfant Parce que souvent, on ne sait pas quel terme utiliser. Si on doit leur dire, pas leur dire. Si on doit leur dire la vraie vérité, entre guillemets, ou si on doit leur cacher des choses. Comment vivre avec ça, avec la fratrie Parce que souvent, bah, moi, je l'ai vécu, moi, euh, euh, pendant une phase où ma fille a été plusieurs fois hospitalisée, j'étais enceinte de mon fils, mon fils est né j'allais à l'hôpital avec mon fils, bébé mon mari, enfin comment vivre avec tout ça et euh, la phase pendant de la valisette c'est accompagner l'enfant donc lui donner des outils pour que ça lui rappelle un petit peu chez lui qu'il se sente pas seul, qu'il ait des activités qui lui fassent penser à autre chose mais qu'il prenne conscience aussi de ce qui va lui arriver et pas, euh, et pas comme avec ma fille où je savais pas trop comment lui dire euh, comment elle allait être endormie et finalement, c'est sur le tas qu'on lui a posé le masque là avec l'odeur à la fraise. Mmh. Elle a paniqué complètement et j'ai vu, mais la détresse dans ses yeux. Et je me suis dit, en fait, plus jamais je ne cacherai à mon enfant ce qu'il va subir. Il va, on va lui faire une piqûre on va lui expliquer ce que c'est la piqûre voilà elle va faire un IRM je vais lui dire qu'elle va rester trois heures sans bouger et on va s'y préparer et en fait c'est ça que j'ai voulu mettre dans cette valisette et le après c'est toute cette communauté que j'aimerais fédérer dire aux parents mais venez on échange donnez-nous vos tips vos expériences enfin ce qui a marché sur l'un peut marcher sur l'autre et pour moi c'est hyper important ce qui est fort dans ce que tu dis c'est que effectivement depuis le début c'était là même quand tu t'es présenté euh, ton pourquoi était là, et pourtant tu t'en es éloigné pour plein de raisons, et ça, c'est un conseil aussi qu'on peut, qu peut donner aux personnes qui nous écoutent c'est de rester fidèle à ce qui nous anime depuis le début et de se l'écrire ça peut être une phrase euh, dans notre bureau ça peut être une phrase dans un carnet ça peut être sur notre téléphone peu importe mais de rester fidèle à ce qui nous anime parce que c'est trop facile de se laisser euh, attirer par euh, soit l'envie de, de notoriété ce qui est normal et tout à fait légitime mais c'est pas parce qu'on reste fidèle à nos valeurs qu'on n'aura pas cette notoriété bien au contraire et en voulant séduire tout le monde, finalement, on peut se perdre aussi euh, en chemin. Donc il faut, mais c'est pas toujours facile de rester fidèle à ses convictions. Non, non, vraiment pas. Mais euh, voilà, là, ça a vraiment fait foi et, et, et c'est revenu aussi parce que euh, euh, ma fille se refait opérer là en mars. Euh, et, je... et en fait, voilà, c'est plein de petits euh, petits euh, signaux qui sont venus au fur et à mesure. Donc euh, mon ami qui m'accompagne, qui m'a fait répéter plusieurs fois mon pourquoi, euh, ma fille qui se refait opérer et, et moi qui explique du coup différemment ce qu'elle va vivre avec beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'assurance euh, en étant bah, préparée parce que ça a été. Enfin euh, moi je j'étais euh, de celles qui prenait euh, 15 livres à la bibliothèque, qui recensait un peu tout, qui notait, qui disait ah, alors ouais, ok pour l'enfant faut lui dire ça comme ça. Ok alors l'IRM on explique comme ça, ok. Et je me suis dit, mais en fait, c'est un travail de dingue. Et si j'arrive à fournir ça, entre guillemets, clé en main à des parents en les, en les aidant, alors, il y a, y, a, y, a, y a aussi ce souci de légitimité. Où on se dit, est-ce que je suis légitime parce que je suis pas médecin, euh, je suis pas dans la parentalité, je suis pas un professionnel de la petite enfance. Mais je pense que euh, mon parcours... Il y en a tellement plein d'autres qui le vivent que finalement c'est à l'instant T euh, comment on fait avec nos moyens quoi on n'a pas euh, voilà mais mon but c'est aussi de m'entourer de personnes professionnelles pour appuyer pour m'accompagner et pour m'aider dans tout ce qui va être retranscrit dans cette valise -être. ça c'est évident cette question de la légitimité elle est euh, elle est clé euh, J'imagine qu'on y a tout été euh, confronté finalement parce que on vient, vous venez toutes de secteurs très différents de ce que vous faites aujourd'hui. Comment on surmonte ce syndrome de l'imposteur ou, ou comment on arrive à faire taire cette petite voix qui nous dit Non, mais attends, toi, pourquoi toi <laughs> ben, Je pense pas qu'on ait encore la solution. Enfin, moi, je crois pas que j'ai la bonne réponse. Mais euh, bah, des fois, on lui dit Chute, quoi <laughs> Vas-y, on verra. Non, et ben il y a aussi le retour client quand tu as commencé en tout cas. Une fois que l'entreprise la, est lancée et que tu attaques et que euh, tu re, as des clients qui t'écrivent pour te remercier, pour te dire que c'était très bon, pour euh, plein de choses comme ça, ben ça te donne l'énergie et te dire ah ben en fait, je suis capable, euh, en fait, c'est bien ce que je fais. Et Que ça continue, et faut, faut pas hésiter à, à regarder euh, tout ce que tu as accompli. On en parlait tout à l'heure, euh, même euh, mmh. finalement à la, à la fin d'une journée. Te dire, au lieu de te dire, bon, ma to do list, euh, bon, moi j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. En fait, c'est regarder ta journée, et dire, ah, tu as fait ça, 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 ça. Tu as quand même fait tout ça, même si bon, il t'en reste, sur ta... mais il y en aura toujours. De toute façon, euh, entrepreneur, tu, 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 ça ne s'arrête jamais. Des fois, on a l'impression qu'on est un peu plus tranquille ou nous on va avoir moins de commandes, mais il y a tellement de choses à faire à côté et ça faut vraiment, vraiment y penser parce que, en plus, quand ça commence à prendre, je pense qu'on a des sollicitations de plein d'endroits, tout se calcule, tout se réfléchit, tout se compare. Euh, faut pas prendre des décisions à la va-vite, faut pas se perdre aussi, comme tu disais, parce que, en fait, on peut, oui, on peut vite se perdre parce que plein de personnes veulent collaborer avec toi, te faire travailler. Euh, aller à l enfin, je pense qu'on est, on est capable d'aller très loin. Pareil, en fait, il faut garder cette légitimité et se dire en fait, faut pas que je dise oui à tout. C'est pas parce qu'au début, on se dit un peu bon, il faut empocher de l'argent, il faut vendre, il faut se faire connaître. Donc, euh, tu as tendance à dire oui à tout, mais au risque d'aller là où un peu trop loin peut-être ou un peu mmh. plus loin que, que le projet de base et que ce qui te ressemble, toi et ce qui t'anime et tes valeurs. Donc, euh, effectivement. Euh... Faut se dire non, je suis légitime dans mon projet avec mes valeurs. Euh, essayer de ne pas l'oublier, ouais, effectivement. Tout à fait. Connaître aussi sa, sa zone de génie, comme on dit, hein, pour savoir là où on peut s'exprimer et euh, être pertinente, compétente, pour peut-être déléguer d'autres aspects de notre vie professionnelle, des missions qu'on a à faire, qui finalement on perd beaucoup de temps quand on les fait et on gagnerait plus à déléguer ces parties-là. Mais avant qu'on termine cet épisode, vous proposer un petit moment d'introspection sur votre carrière d'entrepreneuse. Dans un premier temps, que vous réfléchissiez pendant quelques secondes à ce pourquoi vous êtes la plus fière. Qu'est-ce qui vous rend fière Qu'est-ce qui vous a rendu fière grâce à, au lancement de votre entreprise. Et ensuite, euh, l'intention que vous aimeriez donner à votre entreprise pour l'année ou les années à venir, selon euh, vos envies. Voilà. Et après, peut-être en dernier, j'avais pensé à un, voilà, à un rêve euh, inavoué, quelque chose euh, dont vous rêvez et euh, qui, là, aujourd'hui, ne semble peut-être pas atteignable. Mais euh, petit à petit, euh, peut-être que vous y parviendrez. La réussite, je dirais c'est d'avoir réussi déjà à lancer euh, l'entreprise. Parce qu'honnêtement, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Je pense que, qu'on qu soit arrivé ou pas, on se rend bien compte euh, toutes qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup plus que ce qu'on pensait, même si on pensait déjà avoir fait le tour. Donc moi, je trouve que déjà avoir réussi à lancer, euh, voilà, pour moi en tout cas, que les produits soient là, qu'ils soient concrets, qu'ils soient, qui, qui correspondent à ce que j'avais imaginé, d'avoir des retours positifs aussi. Je pense que ça, c'est un des plus, euh, c'est une des plus belles réussites finalement. Ouais, J'ai eu des retours, mais incroyables quoi. Et quand les gens, ils te l'écrivent sur ton site en te disant qu'ils ont aimé ton produit, qu'ils te mettent 5 étoiles, mais que tu discutes après vraiment en face et que, bah, à la limite, ils te disent que. Alors, ça, on reste sur du cosmétique, hein, on est d'accord. Hein, je les ai pas, j'ai n'ai pas sauvé leur vie, etc. Mais quand même, ils disent que tu as sauvé leur peau ou des choses comme ça. <laughs> bah, ça fait. Euh, ouais, ça, voilà, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai réussi au moins pour certaines personnes à leur apporter quelque chose et à apporter ce que je voulais apporter. Après, l'intention. Euh, bah moi je ne bien je sais plus qu'il a dit mais c'est vrai que l'intention j'ai je pense c'est de ne pas se perdre en effet et de rester euh, de rester euh, fidèle on va dire à son à son idée de départ à sa volonté de départ à ses motivations de départ surtout dans un secteur aussi Ouais ouais voilà et puis j'ai aussi je pense que comme euh, je crois que c'est Alison qui l'a dit euh, au Début, quand tu as, as envie que ça marche, donc c'est vrai que dès que quelqu'un s'intéresse à ton sujet et à ton projet, tu vas être tenté de dire oui parce que tu te dis voilà, c'est de l'argent qui va rentrer. C'est et je pense qu'un non, tu sais que c'est pas pour toi en fait et que tu vas y perdre un peu euh, ton identité entre guillemets. Et je pense que voilà, c'est vraiment rester, euh, rester fidèle à soi-même en fait et rester aligné avec ses valeurs parce que souvent, quand on se lance dans un projet entrepreneurial, c'est vraiment pour ses valeurs et moi, c'est vraiment mon intention. Voilà. C'est de se dire, je ne vends pas mon âme au diable, entre guillemets. C'est peu, peut-être un peu excessif, mais en tout cas, voilà, se dire, je ne suis pas prête à tout pour faire que mon entreprise marche. Je veux qu'elle marche de la façon dont j'ai envie qu'elle marche, avec les valeurs qu'elle a. Et peut-être que je ne serai pas à respirer, voilà. Mais euh, en tout cas, je serai conforme à ce que je voulais faire et, et euh, aux, aux motivations que j'avais au départ pour partir dans ce projet. Et un, rêve. Et un rêve. inavoué quand même. Si je deviens respire, ça me ferait plaisir. <laughs> J'adore. Je prends quand même. Très bien. Pour moi, ma réussite, c'est de ne pas lâcher. Euh, c'est euh, malgré le fait que euh, j'ai repris le salariat, malgré le fait de ne pas avoir du temps, malgré le fait d'avoir changé de cible. Fin, en fait, c'est de ne pas lâcher. C'est ma, ma fierté, c'est ma réussite. Euh, c'est aussi euh, le fait de voir que le peu de communauté que j'ai, elle est toujours là et elle me demande toujours où ça en est et euh, qui veulent voir le projet et qui me soutiendront quoi que je fasse. Et quel que soit le chemin que je vais emprunter, donc ça c'est encore plus gratifiant. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment ma plus belle réussite et de voir que euh, ce que j'ai créé euh, a aidé ma fille, en fait, a, a fait que aujourd'hui euh, ça a évolué et que bah maintenant on, on va, euh, elle va se faire opérer avec beaucoup plus de sérénité et c'est parce que j'ai réussi à mettre tout ça en place avec elle, donc euh, je dirais que voilà, c'est ma plus grande réussite. Ouais, ce, ce, ce syndrome de l'imposteur, euh, cette légitimité qui, qui, qui me bouffe et qui fait que je procrastine en me disant, euh, maintenant je peux pas y aller. Euh euh, t'es pas légitime euh, non euh, euh, qui est-ce qui va te croire euh, t'es qui euh, face à euh, toutes ces associations autour qui aident aussi euh, dans ce côté euh, de l'hospitalisation donc euh, c'est un petit peu ce ce point là qu'il faut encore que je, que je travaille et que je me dise euh, que enfin euh, voilà, on, on, de par notre histoire, on, on est tous légitimes. On prend l'exemple de Respire, parce on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est parce qu'on lui a détecté une tumeur euh, euh, sous les aisselles qu'elle s'est lancée. Elle est ni euh, dans la cosmétique, fin, ni dans le, dans, le, dans le médical, ni dans quoi que ce soit, mais elle s'est entourée des personnes, mais ça rendait pas moins son idée géniale et, et ça la rendait pas moins légitime. Donc pour moi, c'est super important. Et, euh, et un rêve, euh, ça serait vraiment de... de euh il de, de, y en a plusieurs mais si je devais en choisir c'est passer dans l'émission les maternelles ah, je croyais que tu allais dire qui veut être mon associé <laughs> attends j'en ai dit il y en a un il <laughs> y en a plusieurs euh, donc euh, l'émission des maternelles parce que je trouve que ça fait foi complètement avec, euh, avec mon projet et oui parce que je suis une grande fan de qui veut être mon associé que j'en loue pas une <laughs> saison et un épisode si jamais euh, euh, que ce soit euh, Anthony Bourbon euh, Eric, enfin tous, ils veulent venir et investir dans ce projet magnifique. Bah, alors là, oui, alors là, bah, je pense que j'aurais tout gagné, quoi. Ils <laughs> <Nous> riront bientôt. <rire> voilà, <rire> pourquoi pas. Et vous, les filles, est-ce que vous voulez répondre euh... Euh, Je pense qu'en repartant de notre vision qu'on pose au début de notre création d'entreprise et qu'on pense énorme et, genre, pas irréalisable, mais on a toujours ce sentiment de dire, pour nous, c'est se nourrir autrement pour prendre soin de soi et de la planète. On se dit que c'est quand même énorme par rapport à nous notre petit travail de livraison de bocaux etc et en fait je pense que ouais ça prend du sens cette vision quand il y a un client qui par exemple te dit euh, alors j'ai goûté ce plat j'aime aucun des trois légumes et, et puis mais en fait j'ai adoré Et en fait on se rend compte que quand on présente les choses différemment qu'on leur montre comment on peut cuisiner les choses euh, en tout cas des produits bruts et euh, les cuisiner euh, voilà d'une façon différente qui fait que bah ils commencent à aimer euh, se nourrir de manière plus euh, on va dire simple, authentique et, et local. Puis bon, les intentions, je pense que c'est plutôt comme ça fait tout juste un an qu'on est associés, c'est de trouver aussi un équilibre par rapport euh, bah, aux différentes choses qu'on qu met en place. On est encore dans une année un peu de, de transition, je pense, euh, où on a beaucoup de nouveaux projets qui arrivent. Euh, du coup, c'est de ouais de vraiment aller euh, vers des projets qui, qui, nous, qui, nous qui nous correspondent, qui nous tiennent à cœur, et puis, en gardant toujours cet aspect un peu aussi. Euh, <laughs> Rentabilité, hein, faut pas se le cacher. Ouais. <laughs> Pour ma part, moi, ce serait d'ouvrir un tiers-lieu qui va au-delà de la cuisine et puis euh, qui vraiment qui tourne autour de ces valeurs de de retrouver l'humanité dans certaines choses qu'on fait, euh, locales, et puis euh, voilà, tout en restant vraiment parce qu'on a toujours ces opportunités, a beaucoup d'opportunités sur Annecy, mais. Euh, bah voilà, c'est à nous de faire un choix. On a choisi d'être au bout du lac d'Annecy et de pouvoir, euh, euh, comment dire, apporter des choses qui n'existaient pas au bout du lac d'Annecy euh, aux personnes qui habitent là-bas, aux habitants. Et euh, il faut savoir dire non à des belles opportunités parfois sur Annecy ou ailleurs euh, parce que c'est pas là où on a envie de, forcément d'être. Mais euh, oui. voilà, donc c'est pouvoir, euh, peut-être, envoyer un, jour un tiers lieu oui. <laughs> au bout du lac d'Annecy. Mais bon, après ça, ça, ça dépend de si euh, notre rêve. Moi, ça et... me convient pas bien. <laughs> Comme rêve. Non, non, ce serait vraiment... Euh, oui, et puis essayer de... Je pense qu'on peut rallier plusieurs activités autour des mêmes valeurs. Et du coup, ça peut être euh, une super idée d'avoir mmh. un lieu comme ça. Génial. Merci beaucoup à toutes les quatre. C'était très intéressant. On pourrait discuter pendant des heures. Mais euh, on va se faire gronder, donc euh, on arrête là. <laughs> à bientôt. Et pour les auditrices et les auditeurs qui ont écouté cet épisode, toutes les informations concernant les différentes entreprises seront dans la barre de description. Et j'invite tout le monde à vous suivre sur Instagram ou les autres réseaux sociaux. Bonne journée. Merci. Cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à suivre nos invités sur les réseaux sociaux. Tous les liens utiles seront indiqués dans la barre de description. Et enfin, si vous aussi vous souhaitez entreprendre, discuter de votre projet ou pourquoi pas vous former à certains sujets, n'hésitez pas à nous rendre visite chez Our Own The World à Annecy. On vous attend nombreux et nombreuses pour discuter. A très bientôt et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.